Et c'est tout le monde, c'est l'étape. Aujourd'hui, on se retrouve sur Roblox pour un jeu appelé Pression Relais. Ou plutôt, devrais-je dire Pressure et Relais, c'est pour Release. Comme vous pouvez le voir, le jeu est inspiré de Doors, Iron Lung, Ultra Kill et SCP Containment. J'espère que ces jeux vous disent quelque chose, parce que moi, pas du tout. À la limite, il y a juste Doors, que je connais, parce que j'ai vu quelques gameplays, et encore. Enfin, c'est pas grave. Je vais découvrir ça avec vous, et sans plus attendre, allons-y. C'est vachement sombre, hein. Oh. Ok. Ok. Oui. D'accord. Ok. Vous avez reçu l'instruction de récupérer les objets en vrac. Ne me découragez pas. D'accord. C'était de l'argent. Très bien. Alors, des choses traduites, mais pas tout. L'argent. Ok. Venir riche, moi je te le dis. Alors. Rien, un bout de papier, je peux pas le prendre. Qu'est-ce que c'est? De l'argent. Hop, les trucs top secret, moi je les vends. Alors, quelle porte du coup? Cette porte là. Ok, y'a rien d'autre. Ok, ça c'est une cachette. Appuyez sur CTRL, mage ou barre d'espace pour vous accroupir. D'accord, toutes les touches possibles. Du coup, ça me permet de. D'aller où ici? Alors, les cartes clés peuvent être insérées dans les lecteurs de cartes clés correspondant à leur couleur. D'accord, jusque là, pas trop compliqué. Ok, je crois qu'on a tout fouillé. Et du coup, c'était pour voir cette porte. Exactement. Bonsoir! Alors, l'argent. Hop. Il y a plein d'argent. Il y a un truc violet, non, dans ce casier. Il y avait ça dans l'autre. Il n'y a pas de truc violet, hein. Je vais pas l'ouvrir. Non, il n'y a pas de truc. Non, je vais pas l'ouvrir. Ça sent la douille, il y a un truc violet là. Dans le casier. Ça peut pas l'ouvrir. Tiroir, que dalle. Ça, je les ouvre pas si j'ai pas besoin. Hein. Après, il y a pas. Ouais, non. Il y a pas de truc violet. Ah! Ça me fait peur! C'est ouvert tout seul! Donne-moi l'argent, toi! Il fait vachement nuit. J'ai pas un truc là? Arrête de faire du bruit. Bonsoir. C'est trop nul, je fouille hein. On voit rien, c'est une dinguerie. Je sais pas s'il y avait un truc. Ah, c'est pas grave. Je fouille les tiroirs. C'est quoi? Ça sert à rien. Oh. L'université, j'entends un bruit. C'est quoi ça? Je sais pas si je veux bien rester dans le noir comme ça. Porte. Ah si. Oh, oh. Là on voit là. Ok, c'est qu'une ligne droite. Une porte là-haut. Ah. Ah non. Allez péter. Ce sera pour me cacher de quoi, je me demande.
très long couloir. Y'a rien. Septième porte. Ok. Une carte rouge, il me faut. Bon bah c'était... Ok. Pardon, j'ai pas eu le temps. Salut. You died. Mais non. What a shame. We haven't met before, but hopefully you'll be able to stay alive long enough next time for me to give myself a proper introduction. Since those idiots up there didn't feel like telling you about which exact dangers you'd face down here, I've been asked to fill that role. Merci, monsieur. Whenever you die, you'll be brought here, and I'll show you a document detailing what caused your oh-so-early demise. Merci. He was very specific with how much information I could share with you, though. It's stupid, I know. His orders, not mine. All the documents are heavily classified, lots of black lines, redacted text, whole nine yards. The more times you die to something, the more black lines he lets me remove. Okay. All right. Let me find what caused your... Ah, here we go. Ah. Whoa. D'accord, donc c'est le pêcheur. Ça se dit comme ça, le pêcheur. Ah, je peux zoomer. Nice. Je note that the pulse misdisturbs the black sight light causes them to flicker if near. Ok, donc il fait des petites pulsations qui perturbent les lumières du site, ce qui les fait clignoter quand il est pas loin. D'accord, bah je... D'accord. Il est pas beau, hein. Ok, bah... Ouais. Pas plus d'infos que ça, mais... Donc ce machin, dès qu'il y a les lumières qui clignotent, bah ce qui est pas loin. Oh, and one more thing before I forget. The next time you fail and get sent back down again, you'll have the opportunity to stock up on some useful supplies, assuming you have funds for it, of course. I've been forced to set up a system that'll allow you to order supplies whilst you are still aboard the submarine, all of which will be conveniently awaiting you in a crate at its destination. I optimistically look forward to your patronage, friend. D'accord. Il les remet là au cas où. J'ai ouvert 8 portes. Très bon début. Non, je n'en sais rien. Je me suis fait déchirer. Voilà, j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Goodbye. Putain, mec. Bah, quand même, on va essayer d'ouvrir plus que 8 portes. Flashlight. Ça coûte 50. Bah, je vais me faire enculer. Bah, du coup, je suis à poil, hein. Comme au début. Allez, ça repart. Pas de truc violet, hein. Je vérifie à chaque fois, mais. Mais non, mais ça, c'est casé. J'ai rien dit. Allez, on y retourne. Objectif. Bah, plus que 8, du coup. Tac, tac, tac. Oh! Briseur de co. Je sais pas ce que c'est. Laisse tomber l'objet G. Non, bah non, je vais le garder. Je sais pas à quoi ça sert, mais il est là, quoi. C'est ce qu'on pouvait acheter au début, ça, j'ai vu. Ah, ça, par contre. Enfin, c'est intéressant de qu'on ait plus d'infos petit à petit qu'on a sur la bête à laquelle on meurt, mais c'est-à-dire que on va apprendre sur le tas, quoi. T'es obligé de mourir pour savoir quoi faire. Et là, il y a un truc violet, hein. J'ouvrirai pas, hein. Parce que j'ai... En vrai, j'ai un truc important, enfin ça a l'air important ça. Mais j'aurai pas de truc important en vrai, prochaine fois, vas-y. Si je meurs et que j'ai rien dans l'inventaire, j'essaye d'ouvrir un casier qui a le truc violet. Bonjour. Oh, mais j'ai plein de trucs là. Incroyable. Oh, l'animation là. Oh. Merde, ça c'est un casier ça. J'ai un flash. Est-ce que j'ai une bête qu'on aura besoin? On se perd pas plus confiance que ça. Allô? Oh, une carte! Hop! Briseur de co. J'ai plein d'objets là. La carte, mon flash. Ah, ça à l'étage. Hop, là, des sous. Pas de casier bizarre. Tout va bien pour l'instant. Si je peux pas y aller. Faut que je monte. Ah. Ouais. Alors j'ai 18 charges encore. Non. Ok. Mais c'est pas trop mal, hein. Mais c'est qu'un flash.
entendu un bruit. Je pense que c'était l'eau, j'ai entendu. Putain, j'ai déjà 14 charges. Putain, c'est une galère pour voir le dernier. Il y a un bruit bizarre. Et il y a l'autre dans le casier. Je vais pas trop m'attarder, je pense. J'ai pas envie de faire ça. Je me casse. Oh. Ah, ça se trouve, il est ici, méchant. Alors, j'imagine, faut pas que j'aille dedans. Pour des raisons assez évidentes. Bonjour. Ah, il y a un casier défoncé. Il y a un bout. J'entends des bruits de casse et tout. Ça me rassure pas. Hop, des sous. Ah, je peux l'éteindre? Pas du tout. Je fais gaffe aux lumières quand même. Oh, il arrive. Ah, regarde, il arrive. Ok. Bah, il a niqué toutes les lumières. Putain, il est super sympa. Oh, de sang. Mais du coup, s'il n'y a pas de lumière, comment je sais après s'il revient? Oh, il y a un truc pas planté là. Oh, mais il a tout niqué! Wouah, j'ai utilisé trop de charge. Allez, lumière! Ah! Bon, il faudra vite faire. Hein. Bonjour! Beaucoup de casier, beaucoup d'eau. Pas d'électricité dans l'eau, donc ça va. Hop! Wouah, l'eau est trop bien faite, eh! Vraie lampe! Oui! Je suis content! Je vais reprendre le flash. Ok. Il y a beaucoup de bruit d'ambiance, hein. Ça rassure pas beaucoup. Il y a du feu. Est-ce qu'il y a un truc à faire avec le feu ou non? Ça n'a pas l'air. Prends des sous. Bonjour, casier safe. Oh, c'est quoi? Oh, je peux pas prendre. Putain, il y avait à boire. 17 et 18. J'ai cru que c'était marqué deux fois 18. Elle est pas mal ici. J'aime bien. Je peux rester là? C'est cousy et tout. Hop, y a rien là. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Ah! Ah! Ah, mais quand il donne le numéro en bleu, c'est qu'il y a besoin d'une carte. Je viens de comprendre, attention. Il y a un bruit pas rassurant du tout. Il y a un casier, il n'y a rien dedans. Ah ! J'attends le bruit. Appelez. Et il vient de m'enfiler toutes les lumières. Voilà, voilà. Ah, il y avait un truc là. Eh ouais, on ne loupe pas les sous, hein. On peut acheter une lampe et tout. Bon, lui, il me sert plus rien. Hop. Ah, nice. Ah. J'aime pas trop ce que je vois par terre. Hein. Ouais, mais il y en a plein en plus. Faudrait que je vais me faire déchirer le cul encore. Je sais pas savoir quoi faire. Mais il défonce les casiers en plus. Je m'en vais pas, j'ai une lampe torche. Ah, je vois que je peux m'accroupir là, non? Si. Ça a l'air amusant ça, dis donc! Oh. Il y a le truc violet là.
Tac. Y'a rien là, non, c'est fermé. Ok. J'ai battu mon record. Et on voit l'extérieur. Je crois, hein. Ça fait blue book. Mais du coup, j'ai même peur de m'approcher des vitres. Oh, y'a des mines. Y'a des mines. Y'a des mines dans l'eau. Oh, bah, je vais peut-être pas m'approcher des vitres, hein. Bruit d'eau. Oh! Ma lampe est rebond. Il me faut une carte. On voit que c'est. Non, je vais pas là-bas. Il y avait une pièce vide, ça pue le cul, hein, désolé. Mais... Oh, la carte. Ce fut rapide. Pourquoi j'ai. Attends. Il y a 3,25. Merde, j'ai déjà mal. Ouais, j'ai des coups de feu. Mais du coup, attends. Il y a du bruit derrière. Je sais pas si. Parce que j'ai entendu des coups de feu, c'était vers. Vers là-haut, je crois. Si j'entends de l'eau, là j'entends un truc qui respire. C'est trop, c'était là, non? Ouais, y a des bruits bizarres. Je sais pas où aller. Je dois faire un choix, c'est obligé. Ici, y a que de l'eau. Attends, je refais un dernier test. Tu vois, y a... Attends, je peux jeter ça. Y'a plus besoin. Y a comme des bruits de métal ou. Ah, c'est clairement pas celle-là. Hein. C'est soit le bruit bizarre de métal ou le bruit de l'eau. Ah, je. Allez, vas-y, va pour le bout de l'eau. Oh. Ok. Oh. Ok, ça avait l'air d'être long. Parce que moi, je me suis dit bruit d'eau égale vitre. Ah! Non, je te regarde pas. Pas que je le regarde. Bon, pour le coup, c'était assez évident. Arrête! Alors, j'ai un problème. Comment je fais? Arrête! Allez, je fais vite. Ah, je fais pas vite! Ah, faut que je résiste. Ok. Je vais me soigner, du coup. Je peux résister, ok. J'ai pas vu. Alors, c'est où? Ok. Ah! Je prends des sous avant. Ok. Ok, c'est bon, il pue là. Bon, ça va, lui, t'es facile à comprendre. Alors, c'est bien parce qu'il y a des trucs traduits et d'autres non. C'est très bizarre. Ah! Il s'enfuit! Il se bat en courant! Oh, mais c'était. Ah! J'ai eu des frissons! Bah, je sais pas c'était qui. Je crois qu'il va me faire regarder. Hello there. Ah, il va taper des sprints et faut que je le regarde à chaque fois. Ok. Je crois que c'est ça. Ah merde, électricité. Et du coup, si je suis là, est-ce qu'il revient? Bon, bref. Je peux pas sauter. C'est un détail, faut pas négliger. Ah, bah, je peux escalader. Hop là. C'est très sombre. J'ai presque plus de lampe d'ailleurs. On va couper la lampe. Oup. Ah. J'ai bien fait de garder un peu de lampe. Allez hop, on y retourne. Et on va ouvrir cette porte. Bon là t'es pas revenu. Là, je sais pas, et s'il vient à des moments random, ça va pas être marrant. Il va arriver l'autre. Putain, on le voit arriver. Il est venu, il est reparti.
Non. Oh. Je vais bien. Je vais courir par là. J'ai plus de lampe, c'est la merde. Attends. Non. Ah oui, tu me fais de la lumière. Oh, j'ai l'impression de voir des trucs des fois. Il me faut une clé. Y a pas un casier quelque part? Non, ça c'est une porte. J'ai dit un casier. J'ai presque plus de lampe. Je pense qu'elle tient 30 secondes. Ah, carte. Bah je vais tracer en vrai. Bip, bip. Bonjour. Le espèce de mannequin, là, je sais pas ce qu'il en est, mais... Ah, je crois que ça a crié. Ouais, je suis pas rassuré pour le mannequin. Espèce de mannequin, petit machin qui court, là. Il se met derrière toi, après tu le regardes, il se met à sprinter, il revient, il repart. C'est pas cette porte, je crois. Ah! Bah aïe! Please stop. Bah pardon, mais j'ai pris une tarte! Mais stop! Oh, connasse de porte. Ah, sauf que maintenant. Oh ça. Oh, un assassin. Ah non. Ventilation. Joue. Ok. Bon, je regarde par terre, je vois rien sinon. Bonjour. Et on est bien là, non? Regarde. Hop. Oh! Vite, 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 attends. Non! Faut qu'il passe l'autre. Il arrive. J'ai plus de lampe. Hein. Putain, il y a lui. À 45% de vie! Ah! Attends, j'utilise ta lumière verte? Non, de l'autre côté. Non, ouais, ah, ah. Je sais plus où je vais. C'est où? C'est là. Bonjour. C'était une valve. Bah, il a pas tout cassé. Merci à lui. La plante m'a fait un petit peu peur, j'avoue. Là. Bon, j'ai 39% de vie. Je crois pas tenir trop longtemps non plus, là. Hein, je t'avouerais. Ah! Regarde. Ah! Ah, il me faut une carte. Non, la blague. Il faut que je fouille en même temps de résister à ce code. Encore ça, il est moins puissant. Le rayon est au quai tiers, genre. Attends. C'est quoi ce bruit? Ah, mais c'est ce truc-là. Bon, j'en profite tant qu'il... Arrête! Ce bruit, c'était une lumière. Je crois que c'était un petit truc qui se... Oh. Oh, il m'en dévoile beaucoup. Parce qu'en fait, j'ai entendu un petit bruit de gling-gling, mais je pensais que c'était les petits machins qu'il y avait, là. Je crois que c'était, je sais pas, un truc d'environnement où genre, ah, t'as ouvert le tiroir, ça a fait bouger un objet. En fait, c'était les lumières qui clignotaient. You can also tell that it when a person scream. Donc, vous pouvez aussi deviner quand il arrive à cause des cris, enfin, avec les cris qu'il fait. Si ça arrive, toutes les personnes doivent regarder une pièce pour se cacher avant qu'il arrive. C'est ce qu'on faisait, donc jusque là, ça apporte rien de nouveau. Une fois qu'il est passé par une zone, on le remarque parce qu'en fait, il éteint toutes les lumières quand il passe. Donc, ça prend un petit bout de temps avant que les lumières de sécurité ne s'allument. Je savais même pas qu'il y avait ça, je pense que c'est les lumières rouges du coup. Ah, donc le personnel doit chercher pour trouver des sources de lumière telles que les le flashlight ou bien les lanternes pour les aider à passer les pièces sombres. Voilà, que Z283 alias Angler laisse derrière lui. Quoi. Voilà. C'est gentil mais tu m'as rien appris de plus. Hein. Connard! J'étais pas au courant! Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like, abonnez-vous à ma chaîne si mon contenu vous plaît, et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, salut tout le monde!